Allez, salut à tous, c'est Rayek, c'est parti, nouvelle découverte. Nairan Survivors. Encore un Survivor, mais j'aime bien ces jeux-là. C'est par les développeurs du jeu Nomad, qui est un free-to-play de survie. Enfin, ça a l'air. J'ai pas trop regardé le jeu ce qu'il faisait. On va dire premier point négatif, on peut pas jouer à la manette. C'est clavier obligatoire. C'est un peu dommage. D'ailleurs, j'ai pas réglé le son de la musique que je trouve un petit peu fort. Je vais le baisser un tout petit peu. Voilà. Pas de VF, mais bon, c'est un survivor, donc c'est pas très très grave. Il y a plusieurs classes déjà d'entrée de jeu. Il y a l'air d'avoir pas mal. Celle-là, à mon avis, il va falloir récupérer des golds, des trucs comme ça. Donc, j'ai regardé un petit peu, hein, on a des classes, on va pouvoir avoir des équipements, il va falloir payer avec des ressources. Mais pareil, il y a des passifs qu'on pourra, à mon avis, débloquer, il faudra payer. Bon, allez, on va faire une petite game, on va voir ce que ça donne. Donc, je prie hein, de base le Warrior. Ah, ils ont mis des petites voix. Voilà. Et on va faire sur le premier, on va voir ce que ça donne. Allez. Normal, parce que easy, à mon avis, ça va pas être terrible. Standard, 30 minutes, 15 minutes. D'accord, il propose deux modes de jeu. Salut Red Knight, salut Daiki. 30 minutes round, boss every 4 minutes, normal, elite spawn. Ouais. 200 XP rate, mais on gagne que 50%. Non, on va faire le tentative 30 minutes. Ça fera la vidéo comme ça, si je tiens les 30 minutes. Oula! Ok, oh, les décors déjà, sympa. Ah, va falloir que j'utilise la souris. Ou est-ce qu'il vit tout seul? Non, il va falloir que j'utilise la souris, ok. Alors, select un item. Pick up, power. Oh, power, hein, taper fort. Ok. J'ai pris un dégât, c'est magnifique. Oh, ça va, j'ai pas perdu grand chose. Ok, il va falloir... on peut faire une roulade. Et il y a une popo. Je crois qu'on peut se soigner. Avec, donc il doit avoir un temps de recharge ou un truc comme ça. On pourra reroll si, avec les golds si on veut. Mouvement speed, vu que le personnage est ultra lent. Et oh le mage, on se calme. Everytime. On récupère 3% de notre vie si on tue des élites. Oh, on va prendre ça. Ah, mais c'est un consommable. Oh, on va prendre ça quand même. Oula, l'explosion a tué des mobs. Oh, ça sort d'où ce nouveau pouvoir? D'accord, c'est son deuxième pouvoir qui s'est enclenché. Ok. Donc j'ai un tourbillon autour de moi. Je gagne 5 de power et de déplacement. Power modifier. On peut plus là. Cooldown réduction, ça reste 2%. Hit 50,5. Ok. Ça y est, on a un élytre. Wow, faut se calmer. Bon, ça va, s'il fait que me suivre et qu'il fait rien, ça devrait aller. Ça n'aurait pas posé de problème. J'ai bien fait prendre un peu de vitesse au début. Fear-seeking arrow. Ça ferait une arme de plus. Je vais prendre l'arme de plus. Ah oui, ça... Ça change mon pouvoir. Non, c'est bon, c'est toujours le même. Ah, je suis déjà à 100. Ok. Power ou 15 power? 15 power, on va taper plus fort. Hein. Cette élite survit beaucoup trop vite, trop longtemps. Ah, mais il les enchaîne, ok. Ok, j'ai récupéré mes PV. Oui, j'ai fait 27 de dégâts. Les hitbox sont moyennes. Ça vaut pas le spell brigade. Mais ça, le spell brigade, il y aura une vidéo spécifique qui va arriver.
Critical Strike, Damage. On va prendre le Epic. Enchaîner les roulades, non, il y a... Ah, au moins, il n'y a pas un cooldown de 7 secondes. Comme certains jeux... Pardon, excusez-moi. C'est... on va gagner... Tu l'as. Entre le mage et lui, là. Aïe. Et lui en tuant, je vais récupérer le PV. Ok, d'accord, c'est eux qui sont considérés comme... Ah, je crois qu'il y en a qui m'ont esquivé, que j'ai esquivé les attaques. Oula, nouveau pouvoir. Toutes les 8 secondes, toutes les 12 secondes, toutes les 4 secondes. Ouais, toutes les 4 secondes, c'est mieux, non? Même si les autres ont l'air d'être pas mal, hein, mais... On va prendre celui-là, on va voir, de toute façon. C'est un test. Ah oui, c'est bien, j'ai double aura autour de moi. Parce que chaque fois que je tue un élite, j'aime bien, j'enchaîne les succès. Bon, après, on tourne. Hein. Oula, faudrait qu'ils se calment, les deux. À chaque fois que je tue... Ah, ou boss? Un élite ou boss? Élite ou boss? L'autre, c'était que boss, je crois. Ou il y avait élite, je me souviens plus. On va le prendre, hein. Je vais récupérer encore plus de PV. Ah ouais, non, mais plus ça va, plus il y a d'élite, ça va devenir chaud au bout d'un moment. Aïe. Bon, après, je récupère plein de points de vie à chaque fois que je tue un mob, ça devrait aller... Je peux gagner 1% de PV toutes les 6 secondes. Ou je gagne 3% de PV toutes les 6 secondes. Je sens une légère haine avec ce cooldown. Pas du tout. Pour ceux qui m'auront vu jouer avant... Pas Vampire Survivor... Merde. Ah, ça revient plus au nom du jeu, sérieux. Oh, légendaire. Bon, bah on va prendre celui-là, hein. Ah oui, j'ai les points de vie qui commencent à tomber, là. Il va falloir esquiver un petit peu plus. Je fais plus d'élite aussi. Bon, j'ai déjà quasiment... J'ai déjà récupéré mes PV, sérieux. On va le finir un jour, ouais. Eh hey, mais ça va, les élites... Ah, là on a un boss, ok. Bon, Legendary, hein. On réduit les dégâts qu'on prend. Ok, c'est des élites, ok. Bon, le truc là qui fait des AOE est vraiment top. J'ai double AOE. L'autre il bouge pas là, faudrait peut-être qu'il bouge, non? Bon, après on tourne autour de la fontaine, hein, c'est... Oula! Alors, du légendaire ou du légendaire? 15 power ou de la vitalité, du power ou de la vitesse, 4% de heal toutes les 6 secondes ou j'augmente mon XP de 10%. V-Rising, ça y est, le jeu s'est revenu. Oui, le cooldown de 7 secondes me trigger à mort. Ça me gonfle d'avoir un truc comme ça. Dans un jeu où il faudrait du dynamique et un dash un petit peu plus rapide. Je vais prendre le mouvement speed ou de la vie. Oh, je vais prendre de la vie, j'ai déjà assez de mouvement speed. D'accord, le deuxième boss qui va arriver avant que j'ai fini cette première. Plus de vitality, plus de pick-up range, ou plus de heal. Je vais prendre la pick-up range, comme ça, plus d'XP plus vite.
Encore la pick-up range. Oh, Magic Missile 2. Et c'est un tir 2. Alors on va prendre ça, ça fera plus de dégâts. Même s'il était juste normal. 15 de power. Allez hop, on va taper encore plus fort. Ça a l'air d'affecter tous les sorts, donc c'est plutôt pas mal. En fait, il y a tellement d'élites que je régénère trop vite pour le jeu, par rapport aux dégâts qu'il me met. J'ai déjà récupéré. Oula! Ah, ouais, mais le cooldown réduction, c'est pas mal. En épique. Allez, le boss est mort. Ok, nouveau pouvoir. Trois Lightning Bolt, summon un Ring of Frost Renew. Toutes les 12 secondes. Je pense qu'il vaut mieux prendre le truc de toutes les 5 secondes. Sans compter qu'il y a le pouvoir du personnage, donc tous les X, on gagne des pouvoirs, donc c'est assez cool. Il me demande encore un pouvoir, là. Waouh. 12 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et de là, c'est Pump Dealing Damage ou All Enemy Struck. Alors, je vois pas le Struck. Nous sommes en Pierre of Frost. At the Mouse Location. J'arriverai pas à gérer les deux en même temps, je vais prendre celui-là. Déjà que c'est chaud, parce que tu regardes où esquiver. Et encore, on se déplaçait. Attends, mais c'est moi qui ai tiré ça? Non, ça s'est fait tout seul, ça. Ok, faut que... Il va falloir que je vise. Ok. Bon, cooldown réduction, je pense que c'est le mieux, hein. Ah, power et cooldown. On va prendre ça. Ok, 1000 ennemis, ça va, c'était pas très dur. Voilà, voilà, là j'ai plus dash tranquille. J'aurais un dash de 7 secondes, j'étais mort. J'aurais pris des dégâts. Désolé. J'arrête. On gagne tellement d'XP ou autre. On va prendre le pick-up range. J'ai mes points de vie qui sont à fond malgré tous les dégâts que je prends. Il y a trop d'élites, je pense, dans le jeu. Je pense qu'on gagne beaucoup trop de points de vie. Je crois que ça va être un gros défaut du jeu, en fait, c'est qu'il va être trop facile. Enfin, pour le moment, hein. Après, il va peut-être devenir un petit peu plus compliqué. Mais là, j'avoue qu'il est un peu facile. Eat a slice of cherry pie to gain 20% of L mask. Bon, oui, 20% de PV en plus. Faut le manger. Ah, là, il y a un truc, là. Qu'est-ce que c'est? C'est ça? D'accord, c'est des golds qui sont tombés. On va peut-être essayer de visiter un petit peu la map. Parce qu'il faut récupérer. Ou alors c'est une arène qui est toute petite. Non, c'est grand en plus. Ah oui, puis on peut récupérer des trucs là-dedans. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un mort. Ok, il y a des thunes ici. Mais si on peut récupérer des thunes, on va le faire. Pas encore plus fort. Il y a tellement de mobs ici, là. Je vais tous les flinguer en même temps, quasiment. Je vais récupérer tous mes PV. Voilà, ils sont quasiment tous morts. Ça y est, full PV. C'est quoi, ça, le truc rouge? Astral, consumable. Restore 100% max health. And clear all class cooldown. J'ai l'impression que c'est des items qu'on peut utiliser, mais c'est bizarre. Cooldown réduction for 10 secondes. Je sais pas si comment on peut les utiliser. Parce que le jeu propose le déplacement, une touche pour soigner, une touche pour esquiver. C'est tout. Donc, tant de haine. Mais non, pas tant de haine. Je vais prendre le critical hit, hein, je pense. Ou alors le power modifier, plutôt 10% de puissance. Il y a un drôle d'archer, là.
sinon je récupère les sous, hein. On en a besoin après. Ça fait que 7 minutes que je joue. Là, je croyais que ça faisait plus que ça. Le mouvement de speed là. Ça va très bien. Ok. Enfin, un boss qui arrive sur moi. Ah oui, oui, il a une sacrée zone. Bon, les trash mobs, on s'en fout, ils servent à rien. Deux légendaires, bah power. 10% power, c'est pas mal, je pense. Mais pas encore plus fort. Ah oui, j'ai pris cher là. Vaut mieux pas que je me prenne une claque. Bon, après, j'ai tué deux élites en pas longtemps. Voilà, le boss est mort, non? Ah non, pas encore. Mais il aime bien donner du légendaire le truc, hein. Magic Missile 5. Allez. Allez, on va voir un nouveau truc légendaire. Les toutes battle buzzing. Bon, on va prendre ça. Étrange. Bon, power, hein. Toujours taper plus fort. Hein. Je veux dire, si je déglingue des élites assez vite, je récupère tous mes PV, donc. En plus, les mobs, la plupart me loupent, les trash mobs, là. Donc. Ah, j'ai pris une claque, là, quand même. Hop, récupéré. 50 élites déjà, bébé. Ok, nouveau pouvoir. On prend celui-là, il a l'air d'être marrant. On va voir ce que... Ah oui, d'accord. Ok. Et j'ai pas encore utilisé ma popo, hein. Voilà, je suis refull PV. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'élites pour te régénérer les points de vie. Et en plus, si le jeu te donne des trucs pour te soigner beaucoup plus vite, ça va être compliqué. Ouais, j'ai pris une claque quand même, mais bon, mes PV... voilà, ils sont déjà remontés. L'élite s'est fait déglinguer en à peu près 2 secondes. Ah, je crois qu'à mon avis, il est empoisonné, l'élite, là. Magic Missile 4. Bah, j'avais pas eu le 5. Si, si, il comprend pas. On prend ça, hein. Ok, il y a des trucs qui me tirent dessus. Comme ça, on sera indestructible. Toutes les 6 secondes, on aura récupéré l'intégralité de nos PV, presque. Je prends des grosses claques, hein, maintenant. Mais bon. Après, comme je dis, il y a tellement d'élites. Quel hit. Bon, on tue quasiment la plupart des mobs... Oh, la hitbox, elle est vraiment pas terrible du tout. Hein, parce que les flèches, je pense qu'il y en a qui étaient sur ma gueule et j'ai rien pris. Hein. Après, peut-être parce que c'est le guerrier aussi que ça se passe bien. Après, je joue en normal, donc j'aurais peut-être joué dans une difficulté un petit peu plus... un petit peu plus haute. Je vais prendre le speed.
Je le trouve pas super excitant par rapport à tous les Survivors que j'ai joué. J'avoue que ça manque de, je sais pas, d'événements, de trucs comme ça au milieu. Parce que mis à part des élites ou des boss... Mais pourquoi il me propose celui-là alors qu'il m'avait donné une version plus haute tout à l'heure? Je comprends pas. Je comprends pas le délire. On va prendre plutôt ça. Power. Parce qu'en fait, tu te concentres juste sur les élites qui apparaissent et tu récupères l'intégralité de tes PV avec le pouvoir qu'ils te donnent, donc... Ok, nouveau boss. Je sais pas pour ceux qui ont déjà fait pas mal de... Oh, légendaire, ben, avec le cooldown modifier, on prend, hein. Pour ceux qui ont déjà fait pas mal de Survivor, moi je le trouve pas super excitant et pas très dur pour le moment. Le boss s'est fait déglinguer en 2 secondes. What? On peut balancer des... Oh, on va prendre celui-là, il va être marrant, chiant. Donc l'écran va être bien pourri. Celui-là, j'ai oublié de viser. Cooldown réduction, allez. Ah bah voilà, il pleut des flammes. Voilà, hop, j'ai récupéré mes PV. Alors, j'ai un truc qui est bizarre, c'est que mes PV passent à 170, puis ils descendent à 154. J'ai du mal à comprendre. Nouveau pouvoir? Ou nouvel effet? Gains on current power? À mon avis, ça doit être les popos différentes, mais j'ai pas besoin de les utiliser pour le moment, donc c'est ça que je comprends pas. On va prendre missile 6. Fire 80 ? Sérieux ? Ah ouais ! Ouais, faut pas que je prenne les versions inférieures, c'est stupide. Hop, et on réduit les dégâts qu'on prend. Alors, si j'utilise une popo... Ah oui, le cooldown est quand même assez assez ouf. Voilà, mes points de vie sont montés. Et pourquoi ils vont redescendre à 154? Je comprends pas. Gain block chance. And heal 8%. comment dire? Toutes les 20 secondes, le réduction de 50% des cooldowns. C'est un des pouvoirs qui me redonne les PV tous les X temps. C'est bizarre. Heal, 3% max. Heal every time an elite au boss die. Allez. Un petit peu plus de power là, mais même ils résistent pas la plupart des mobs. Même les élites se font déglinguer super vite. Voilà, je viens de déglinguer 2 élites là. Hop, ramasser les sous. Pff, 25 de power, c'est pas mal. Hein, l'élite là. Ouais, il est déjà presque mort en pas longtemps. Okay. Je pense que c'est la fin des élites là. C'est les trash mobs qui vont faire le plus de dégâts. Bah, pouvoir et cooldown. Hein. Plus le pouvoir se déclenche rapidement, mieux c'est. Ok, j'ai déjà tué 100 élites. Ok. Bon, les succès ont pas l'air d'être très compliqués à faire. Hein. On va voir si c'est vraiment la classe là qui est complètement broken ou si c'est que le jeu est moyennement équilibré, on va dire.
Yep, une speed. Ah non, mais les élites, je les déglingue en 2 secondes. Ouh, là j'ai pris beaucoup de dégâts. Ok. Ah, les boules de feu me font du dégât. Bon, cooldown. Ah, faut que je laisse des élites en vie pour... pour pouvoir récupérer des PV. Ouais, parce que tu peux pas esquiver tous les trucs qu'il y a, hein. C'est pas possible. Oh, bon ben 5% cooldown. Il y a des pouvoirs qui ont l'air d'être complètement nuls. Hein. Oula! Gain 2% cooldown réduction, un 2% critical hit. Ok, Billy Bones qui arrive. Oula, l'esquive qui a fait option. What? Et c'est quoi ces trucs énormes qu'il met, le gars, là? Non, mais là, c'est... c'est pas un peu triché, la taille de l'attaque? Dire bien avec ma vitesse et tout, j'arrive pas à esquiver. Ouais, faut rester à côté de lui, quoi, en gros. Ok. Hey, j'ai failli passer, là. Le joueur lambda a une élite, Rayek. Ah bon, ou ça? C'est à peu près ça, oui. Oula, Fro Chicken, ça t'explose. Toutes les 6 secondes. Ah ouais, non, mais on va voir l'éjection du poulet. Obligé. Il est où, le poulet? Ok, et là il vient d'exploser, on a vu les os partir un peu partout. Non mais sérieusement, hein, c'est les trash mobs qui me font le plus de dégâts. Hein. Les élites et Enko, ils servent plus à rien maintenant. Ils me faisaient peur tout à l'heure, mais là maintenant... Astral Spell. Chaque fois que je bloque, je vais récupérer des PV. Je vais devenir invincible, là. J'ai l'impression que ça bloque assez régulièrement. Non, parce que là, même les trash mobs, maintenant, j'ai l'impression que je prends quasiment plus de dégâts. Hop, mes PV sont remontés. Alors que j'ai pas tué d'élite. J'adore. le cooldown et critical hit, je vais prendre, là. Après, autant à un moment, il va y avoir des mobs qui vont me dégommer en 2 secondes. Après, quand tu connais à peu près la plupart des jeux de ce style, hein, il y a des pouvoirs que tu utilises très souvent, qui reviennent très souvent, et d'autres que tu prends jamais parce que c'est pas terrible, quoi. Ouais, puis les élites, c'est une option. Hein. Là, ils font pas long feu, les élites. Alors, j'ai le choix entre du heal. Leur truc est pas terrible quand même sur les choix de l'aléatoire. J'ai appuyé sur le bouton pour l'esquive, il a fait option. Pas grave.
Oh, des sous. Mais je vais pas prendre ça, j'en lance 80. C'est con, je vais prendre le power. Ça baisserait mon pouvoir, c'est stupide. Le trésor goblin, il est où? Il est où? Regardez ailleurs, il est où le trésor goblin? Là-haut. Oh mon gars, tu vas prendre. C'est pas encore, mais tu vas prendre cher. Ok. Mouvement speed, hein, ça ira bien. J'ai l'impression que le mouvement speed, c'est limite aussi de l'esquive. Et ça permet d'esquiver les zones au sol. Il y a de l'or ici. Je vais économiser ma roulade. 2% de heal. C'est-à-dire en gros toutes les 6 secondes je récupère tout quasiment. Je vois quasiment plus de dégâts autour de moi. Je viens de prendre 10. Il y a souvent de l'or par là-bas, c'est-à-dire qu'ils font réapparaître les... D'accord, j'ai l'impression qu'ils font réapparaître les tonneaux ou les trucs comme ça. Il y a un peu plus de vitalité, il y aura plus de points de vie. Ok, le Fairy Cake. J'ai pas vu son pouvoir, j'ai pris cher. Ok. La popo. Je vais pas le prendre parce que j'ai peur de casser mon missile à plus de 1000. Cooldown réduction. Énervé le jeu là. Il reste 1% de PV au boss. Quoi? Sérieusement? Le spam de l'attaque ennemie. Ok. Ouais, je le trouve moyen quand même. Alors le Cosmic Ray a fait beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'il y a derrière qui a fait? Le Whirlwind, ok. Le Dragon Punch, pourtant j'ai eu tard. L'Arcane Explosion, normal. Ça avait l'air d'être celle qui fait le plus de dégâts. Et puis après le reste, sans plus quoi. Explosive Chicken, il arrivait tard aussi. Ouais, je pense que le jeu, le problème qu'il y a... Ah ouais, il restait 1% au boss, limite de pouvoir le flinguer en 2 secondes, mais le jeu il a fait, regarde, je te spam comme un malade les attaques, alors j'avais tué plein d'élites et j'avais récupéré plein de points de vie. Hein. On fait voir si je fais une... Il y a 40 upgrades, ah mais c'est juste un... Ah c'est... Ouais, ok, c'est bof, et les passifs... Il faut quoi? D'accord, tu peux les débloquer à force. D'accord. Et après, selon les classes, je suppose que si je prends le Ranger, ces gears, faut les monter séparément. Ok. Oula. Désolé. Pardon. ouais.
je sais pas, tu es mitigé, il n'y a pas grand chose qui se passe. Il y a eu le gobelin, c'était la petite surprise, mais sinon, globalement, sans plus, je dirais le jeu. Y en a d'autres qui sont beaucoup mieux, hein. N'hésitez pas à les regarder sur la chaîne, hein. J'en ai fait plein d'autres des Survivors. Je pense que celui-là, c'est pas un des meilleurs. Il n'est pas ultra nul, mais je pense qu'il est trop commun par rapport à ce qui a été fait et il n'apporte pas grand-chose. Enfin voilà. Bien, fin de cette petite vidéo. Pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube, comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partagez à tout ce qu'il faut en réseau social, dans la description, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.